tous. Je suis très flatté de l'invitation que m'a prêtée Pierre-Yves. J'avais déjà donné une conférence au Cercle Aristote il y a quelques mois sur le thème de la souveraineté numérique. Et donc aujourd'hui, le thème est la vassalisation. Ce sont deux thèmes très proches. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais dans une première partie, vous reprendre et survoler la conférence que j'ai donnée, que vous pourrez retrouver sur YouTube et sur le site du Cercle Aristote, donc sur la souveraineté numérique, qui la souveraineté va avec la vassalisation, enfin, est l'inverse de la vassalisation. Et donc dans une première partie, et la seconde partie, je vais traiter d'un thème connexe, qui est, que je pourrais résumer par le titre suivant, de la République à la neurodictature, puisque les outils numériques ont permis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, d'une façon dont on ne se rend pas bien compte aujourd'hui de l'importance qu'ils ont pris, mais surtout maintenant, l'importance de garder le pouvoir avec ces outils numériques. Et c'est quelque chose que vraiment peu de gens ont la connaissance et la vision de tout ce que cela va permettre. Je vais me mettre le micro, voilà, comme ça. Alors, j'avais terminé la conférence d'il y a quelques mois par une citation, et je vais reprendre cette citation d'un grand philosophe qui vient de décéder il n'y a pas longtemps pour ouvrir cette conférence. Et ce philosophe, c'est David Rockefeller, qui est le fondateur de la commission trilatérale et du groupe Bilderberg, dont vous savez que Emmanuel Macron a été l'invité en 2014 et notre premier ministre Édouard Philippe en 2016 à la conférence Bilderberg. Donc ce philosophe américain nous disait quelque chose, donc c'était au magazine Newsweek en 1999, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Par cette phrase, on peut comprendre que la vassalisation peut venir à la fois d'entités étatiques, mais aussi d'entités privées, trans-étatiques ou supra-étatiques. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec l'Internet et avec ce qu'on appelle les GAFA. Donc les GAFA, c'est un acronyme pour dire Google, Apple, Facebook, Amazon, et il faut rajouter maintenant le M de Microsoft et le I de IBM, donc c'est GAFAMI qu'il faudra dire maintenant, puisqu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ces cinq acteurs sont devenus incontournables dans nos vies numériques et dans nos existences numériques qui sont devenues indispensables aujourd'hui quand on a un rôle dans la société. Alors, Je mène une veille importante dans le domaine du numérique, et je vais vous partager avec vous la vision, la sensation que j'ai aujourd'hui après avoir accumulé un grand nombre d'informations. Ma vision est que nous sommes en train de changer d'air, nous empruntons une bifurcation. Parce que deux nouveaux paradigmes sont arrivés en même temps et font que nos mentalités et notre façon de faire société va changer en profondeur. Elle est en train de changer et ça va aller encore plus vite. Cette bifurcation, donc il y a deux changements de paradigme. Le premier est l'émergence d'une société en réseau. L'Internet, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir. On se rend compte via Facebook, via Twitter et via tout un tas d'autres applications que la mise en réseau des humains permet une émergence d'une intelligence collective, en quelque sorte, et une horizontalité des savoirs. Mais
cette mise en commun dépend d'algorithmes qui dépendent de sociétés américaines privées qui sont des purs, qui relèvent de l'idéologie néolibérale et de l'idéologie mondialiste. Donc ces algorithmes ne sont pas à notre service. Ces algorithmes changent avec le temps. Facebook décide à tout moment de changer ses algorithmes en fonction de ses désirs dont on ne connaît pas les finalités. Et d'autre part, le deuxième changement de paradigme, c'est l'émergence des machines intelligentes. On ne se rend pas bien compte. Le premier changement, les réseaux sociaux. Oui. Bon. L'arrivée des réseaux sociaux est bien visible pour tout le monde. En revanche, l'arrivée des machines intelligentes, on ne le voit pas, et ça arrive progressivement, et on a tous entendu parler plus ou moins de la robotisation du travail, mais l'on ne voit pas encore l'arrivée de ces machines, de cette intelligence artificielle qui va décider d'un certain nombre de choses dans nos vies. Pour l'instant, dans des choses qui concernent le business, mais ça va devenir de plus en plus intrusif. Donc, l'Internet, aujourd'hui, donc la vie numérique, on a une face visible et une face invisible. La face visible, elle concerne des noms, des marques que vous fréquentez tous les jours et qui sont votre quotidien, et ce nombre d'applications, je vais vous faire une liste très rapide, mais vous allez vous rendre compte, parce qu'on ne se rend pas compte du vertige numérique que représente cette intrusion d'applications étrangères dans nos vies. Alors, vous avez Windows, macOS, Apple Store, Google Play, iTunes, Spotify, Internet Explorer, Safari, Google, Yahoo, Bing, Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Messenger, Skype, WebEx, Instagram, Flickr, Snapchat, Pinterest, YouTube, Vimeo, Netflix, Dropbox, Google Drive, Google Doc, Amazon, eBay, Groupon, PayPal. Bref, vous voyez, tous ces noms-là sont des noms américains, c'est des noms que vous fréquentez sur Internet tous les jours, et toute votre vie numérique passe par des serveurs qui se trouvent aux États-Unis et sont sous droit américain. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content des services qui vous sont rendus, vous devez vous adresser au tribunal de Californie pour obtenir gain de cause. Cela vaut pour les individus, mais cela vaut aussi pour toutes les sociétés qui utilisent ces services à titre professionnel. Tous les Google Drive, etc., sont de droit américain. Évidemment, des sociétés comme Twitter, Facebook ont un droit de vie ou de mort sur votre réseau numérique personnel. À tout moment, ils peuvent décider de vous couper votre compte, et c'est une société américaine qui le fait, et le gouvernement va dans le sens de confier le droit de justice, le droit de censure à ces sociétés, suivant un cahier des charges que le gouvernement doit leur remettre. Mais donc on n'est plus dans une société de justice avec des juges, mais de sociétés privées qui vont rendre justice, enfin qui vont décider de votre sort, et vous devrez vous tourner vers un tribunal américain pour pouvoir, si vous n'êtes pas d'accord. Donc ça, c'est la face visible et extrêmement intrusive. Mais la face invisible, on savait qu'il y avait de l'espionnage, on n'en avait pas forcément
la vision, et enfin tout le monde ne pouvait pas le voir noir sur blanc. Mais en 2013, à l'été 2013, Edward Snowden a révélé au monde, via un très grand nombre de documents qu'il a remis à des journaux, l'importance de la surveillance et de l'espionnage de la NSA et d'autres entités américaines sur les citoyens du monde entier, sur les citoyens américains, mais aussi sur les citoyens français. Ces informations ont été égrenées dans le temps, mais lorsqu'on les met côte à côte, on se rend compte d'un immense programme invisible qui est... alors, je vais vous citer quelques données. Vous pourrez retourner sur la conférence que j'avais faite sur la souveraineté numérique qui dure 1h30, et donc là, je n'ai pas le même temps pour aller plus en détail. Mais vous avez, par exemple, le programme PRISM qui consiste à obliger toutes les sociétés américaines à avoir un backdoor, c'est-à-dire une porte dérobée qui permet à la NSA de visiter vos comptes personnels. Vous avez la NSA qui a une sorte de Google à eux, qui permet, en tapant le nom d'une société ou le nom d'une personne privée, d'avoir accès à tous ses comptes et de savoir toute sa vie numérique qui passe par les serveurs américains. Vous avez le programme Bull Run, qui est un plan qui vise à introduire des salariés taupes dans les sociétés qui fabriquent des algorithmes d'encryptage, ou dans les sociétés qui font des applications numériques. Vous avez une subversion constante du hardware, c'est-à-dire des puces qui sont dans vos ordinateurs, via les sociétés comme Intel, qui introduisent des failles pour empêcher des algorithmes de cryptage de bien fonctionner, par exemple. Vous avez tous les ordiphones, tous vos smartphones qui ont des accès privilégiés via des failles de sécurité et qui sont des espions que vous avez constamment sur vous et sur lesquels on peut activer à tout moment les micros pour pouvoir vous écouter sans que vous le sachiez. Y compris même Facebook, si vous ne déconnectez pas certaines caractéristiques de Facebook, il a ce droit-là et également le droit vidéo. Vous avez des backdoors de téléassistance qui peuvent être utilisés par la NSA ou la CIA. Voilà. Tout ça, c'est une panoplie d'outils, d'outils numériques qui permettent la mise en coupe réglée à la fois de citoyens, mais aussi de sociétés, du business, des affaires et des entreprises d'un pays comme la France. Puisque toutes nos sociétés utilisent, enfin rares sont les sociétés qui utilisent des systèmes Linux et des logiciels libres et qui ont, qui évitent ce genre d'intrusion. Pour rappel, l'affaire Alstom, où on a un de nos fleurons industriels qui est passé du côté américain, cette perte n'aurait jamais eu lieu si un échange de mails n'était pas passé par un service Gmail ou Hotmail qui a permis à la justice américaine d'exercer un chantage sur la France sous le prétexte que la jurisprudence, que l'extraterritorialité du droit américain s'exerçait dans une affaire de corruption présumée de Alstom. Sans rentrer dans les détails, un Français est resté emprisonné pendant 14 mois aux États-Unis et a servi de monnaie d'échange. Et en fait, la vente d'Alstom était une vente forcée. En tout cas, c'est la thèse d'un certain nombre de personnes qui ont étudié le dossier de près. Une autre chose que vous devez savoir sur l'Internet caché, comme la France n'a pas accès aux comptes de ses citoyens, vu que ses comptes sont dans des serveurs américains, elle a été obligée de traiter un compromis avec la CIA et la NSA. Et
Donc, quand l'espionnage français veut savoir ce que fait un citoyen derrière son compte Facebook, ils sont obligés de demander à la NSA ou à la CIA ce qui se passe. Et donc, ils ont conclu un accord qui s'appelle les accords Lustre, qui ont été révélés dans le journal Le Monde il y a quelque temps, qui consiste en fait à, plus que la France possède les câbles sous-marins qui desservent l'Afrique en Internet, la France délivre l'Internet africain en échange du droit de consultation de l'Internet français via les backdoors, enfin, via les portes dérobées des GAFAMI. Donc c'est pour vous montrer le niveau d'intrication dans lequel nous sommes et de vassalisation, puisque à tout moment, la CIA, la NSA, le gouvernement américain peut exercer un chantage en expliquant au gouvernement français que s'il n'est pas sage, il n'aura plus accès, ou un accès pas tout à fait honnête, aux données que recherche l'État français. Vous avez un programme, un projet du Pentagone qui porte le nom de Minerva. Et ce projet utilise les compétences des chercheurs américains en sociologie, en anthropologie, pour trouver toutes les méthodes possibles pour subvertir les mouvements sociaux sur Internet. C'est-à-dire utiliser des méthodes de trolling, de trollage, pour rentrer dans des groupes numériques et trouver les moyens de neutraliser, faire exploser des réseaux humains qui visent à s'opposer au gouvernement en place ou à des lois économiques qui leur déplairaient. Donc en fait, ils s'attendent à une explosion de mouvements sociaux à travers la planète, et tout ceci a été révélé par le journal Le Guardian. Vous retrouverez les articles, certains articles ont été même traduits par le site de l'UPR. On a découvert... un journal allemand a découvert que, sitôt qu'on utilisait les mots, qu'on parlait sur des groupes à propos de l'Ukraine, on avait très rapidement des propos anti-russes qui arrivaient. Et ils se sont aperçus que, donc aussi bien sur Facebook que sur Twitter, 15 000 agents robots envoyaient automatiquement jusqu'à 60 000 messages par jour anti-russes. Via ces robots, et on a localisé ces robots, ils se trouvaient en Angleterre. Donc vous avez là un exemple de système automatisé via l'internet, le big data et bientôt l'intelligence artificielle, qui permet de créer une opinion, de fabriquer une opinion de quelque chose qui est de l'ordre de la propagande, mais évidemment cachée. Une dernière chose sur l'Internet obscur, pour vous montrer vers où on va. IBM a développé une intelligence artificielle qu'il a nommée Watson. C'est un gros ordinateur qui tient dans une pièce de 10 mètres carrés et qui utilise les dernières technologies d'intelligence artificielle et qui est capable de gagner au Jeopardy américain, c'est-à-dire question pour un champion en France, de gagner face à tous les humains. Il y a quelques années, l'émission a eu lieu et l'ordinateur Watson, en langage naturel, comprenait les questions et répondait en langage naturel à toutes les questions qui ont été posées. Donc ils ont utilisé en test ce Watson dans une université américaine, l'université Georgia Tech à Atlanta.
et un professeur d'université qui dispose de 10 assistants, parce qu'il a de nombreux élèves, et il dispose de 10 assistants pour le pour seconder dans la tâche d'assister dans le campus les élèves à trouver des informations, à bien vivre sur le campus. Et parmi ces 10 assistants, un assistant s'appelait Emily Watson et n'était donc que l'ordinateur Watson qui correspondait en langage naturel sur Internet, donc il n'était pas présent physiquement. Et il a fallu plus de 6 mois aux élèves avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas en présence d'un humain, mais en présence d'une machine. Donc tout ça pour vous, si vous prenez les 3 dernières informations que je vous ai données sur Minerva, sur l'Ukraine et les 15 000 robots et 60 000 messages par jour et Watson, vous avez le guerrier numérique parfait qui sera développé. Enfin, c'est la convergence de ces technologies qui va arriver à ça. Donc je passe sur beaucoup d'autres choses que j'ai dit dans la précédente conférence. Par contre, un élément nouveau est arrivé. On a appris via WikiLeaks qui a diffusé les ordres de mission donnés à la CIA d'espionner de façon électronique et offensive, contrairement à la NSA qui fait de l'espionnage passif, donc de l'espionnage offensif, actif, avec des virus, des troyens. Toutes les sociétés françaises qui exercent des contrats internationaux de plus de 200 millions de dollars. Donc voilà, on s'en doutait, mais maintenant on a noir sur blanc écrit que les États-Unis se documentent activement pour notre bien sur tous les grands contrats qu'exerce la France à travers le monde. Je voulais faire donc là je vous ai fait un survol pour que vous ayez en tête l'environnement dans lequel nous nous trouvons, l'environnement numérique. Maintenant, il y a avec l'épopée politique que l'on vient de vivre de ces derniers mois de cette élection rocambolesque, je voulais orienter cette seconde partie de ma prise de parole sur la neurodictature. Nous sommes aujourd'hui à la veille où on a déjà mis le pied dans des technologies qui sont plus fortes que l'humain. C'est-à-dire que l'utilisation du big data pour connaître en temps réel les opinions d'une population, pour pouvoir agir de façon ciblée, comme je l'ai montré précédemment avec Minerva et Emily Watson, pour pouvoir agir via des guerriers numériques, de façon ciblée sur des populations. Tout ceci rend le scénario de science-fiction d'une neurodictature éternelle, rend cette probabilité forte. Et nous sommes à la veille où ce point pourrait, à la veille d'un basculement. C'est le sentiment que j'ai en étudiant toutes ces technologies. Il faut savoir qu'en 2012, quand Obama a voulu s'est lancé dans sa réélection, il a utilisé pour la première fois le big data. Et grâce au croisement de tout un tas de données, une société avec laquelle, j'ai pas le nom, mais une société privée qui exerce dans le big data a réussi à retrouver nominativement, via tous les likes sur Facebook que l'on peut faire, toutes ces choses-là, quels ont été les 62 ou 69 millions d'électeurs qui ont voté pour Obama 4 ans plus tôt.
Ils ont utilisé cette base de données pour demander à ses électeurs, via des messages personnalisés, de revoter pour lui. En 2016, on a assisté au Brexit et à l'élection de Trump. Derrière ces deux phénomènes, qui étaient un peu inattendus, se cache à nouveau l'utilisation de sociétés d'une société d'algorithmes dans le big data, société qui s'appelle Cambridge Analytica, qui a analysé qui est donc derrière le Brexit et derrière l'élection de Trump, et qui dans les deux cas a analysé tous les foyers anglais et américains et a détecté quelles étaient nominativement les personnes qui pouvaient basculer dans le camp du oui au Brexit et dans le camp Trump, et ils ont adressé jusqu'à 200 000 pour les États-Unis, 200 000 messages différents, de teneur, de contenu différents, à des cibles différentes, pour leur donner des arguments du vote en faveur de Trump. En 2017, Emmanuel Macron a fait appel à une équipe, qui s'appelle une start-up française qui s'appelle LMP, qui a... alors en France, il est interdit de faire du profilage personnel. Donc ils ont fait de la géolocalisation quartier par quartier, pâté de maison par pâté de maison, pour savoir... où se trouvaient les profils de gens qui votaient à gauche, à droite, jeunes, vieux, bobos, riches, populaires. Et ils ont permis aux fameux marcheurs qu'avait envoyé Macron avant son élection d'aller faire du porte-à-porte et d'aller porter la bonne parole uniquement vers les populations qui pouvaient être réceptives au message du programme de Macron. Par ailleurs, 6 millions de personnes ont été contactées par téléphone via une application numérique. Vous avez certainement entendu parler de ça, avec la voix de Macron qui s'adressait aux gens et qui laissait un message téléphonique. Vous avez de l'analyse sémantique qui a été faite pour détecter quelles étaient par les opinions des Français par bassin de vie. Donc sur l'Internet, ils ont utilisé une société qui s'appelle Proxen, qui a analysé quelles étaient les préoccupations des Français, et après ils ont fait un compromis entre la feuille de route Bilderberg trilatéral French American Foundation et ce que voulaient vraiment les Français. À ce titre, je vous rappelle que il n'y a que 3 personnes qui ont le tiercé gagnant d'avoir participé. Enfin, que 3 Français qui ont participé à la fois au Bilderberg et à la fois à la French American Foundation. Le premier, ce fut Juppé. Le second, c'est Macron. Et le troisième, c'est Édouard Philippe. Voilà. Alors, soit ces gens sont vraiment très visionnaires et détectent à l'avance, soit ils provoquent les élections. Et donc... via tous ces outils, ah oui, vous avez certainement vu et entendu que Macron vient de créer une cellule à partir de laquelle il prend en quelque sorte les commandes, enfin, pas tout seul, mais avec des hommes à lui autour, il prend les commandes du renseignement français, renseignement intérieur et extérieur. À ce titre, il va avoir accès aux outils, notamment à un outil qu'on appelle Palantir. J'ai oublié de vous dire qu'en octobre dernier, la DGSI, donc le renseignement intérieur, a conclu un contrat qui a fait un peu jaser, un contrat avec une société américaine qui s'appelle Palantir. Palantir est une société dont l'un des capital risqueurs de base fondateur est IQTEL, c'est-à-dire la CIA,
Et cette société Palantir a développé le logiciel d'espionnage et de contrôle de population qu'il vend à travers le monde aux États, à la plupart des dictatures et à la France. Et ce logiciel, alors ce n'est pas un logiciel en soi, c'est un service, c'est-à-dire que les pays doivent amener leur base de données à la société américaine, c'est-à-dire que la France a délivré à Palantir l'ensemble de ses fichiers concernant ses citoyens, sécurité sociale, banque, transport, santé, tous les fichiers sont rentrés dans Palantir. Palantir va ensuite faire des croisements pour pouvoir connaître pour chaque personne ses contacts téléphoniques, ses contacts e-mails, etc. Alors, ce ne sont officiellement que les métadatas qu'a fourni la France, c'est-à-dire que les métadatas, ça veut dire avec qui j'ai correspondu, pendant combien de temps, à quel endroit j'étais, etc. Il n'y a pas le contenu du message. Cela dit, comme 80% des e-mails qu'on échange sont avec des gens qui ont des Gmail ou des Hotmail, c'est pas difficile pour les Américains de faire le recoupement des contenus. Une fois qu'on a rentré tous ces contenus dans Palantir, on a un système qui est moitié algorithmique, moitié intelligence artificielle, moitié assistance humaine, et qui permet d'avoir une représentation en arborescence, c'est-à-dire une représentation nodale, où on peut voir les groupes humains, les sociétés humaines, les opinions représentées de façon graphique et temporelle, avec des évolutions temporelles. Et on peut voir des mouvements sociaux, comment un mouvement social est né, par qui il est né, qui était le chef, qui étaient les sous-chefs en fonction du nombre de connexions qu'ils ont entre eux. Et on peut faire des simulations, qu'est-ce qui se passe si on neutralise le chef, est-ce que c'est une organisation horizontale, chaotique, avec une hiérarchie très ferme. Et donc, le logiciel permet même de faire des prédictifs. Évidemment, c'est très utile pour les dictatures pour détruire une opposition, mais on peut imaginer l'utilisation de tels systèmes dans des systèmes dits républicains. Alors, non pas en détruisant les gens, mais en utilisant des techniques de contrôle et d'intelligence sociale, d'ingénierie sociale. De diviser pour régner, de création d'événements sidérants sous faux drapeau, pour garder le contrôle. Et donc aujourd'hui, c'est un peu comme si on jouait avec un joueur de poker qui regarde vos cartes en permanence. Je ne sais pas comment... qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans, si le camp mondialiste conservera le pouvoir par tout un tas d'astuces. Mais en tout cas, à mon avis, ma crainte, ma terreur, c'est que si un système vraiment démocratique reprend le pouvoir en France, il faut envisager des systèmes robustes qui permettent à une république, à une démocratie de résister à ces outils numériques. Parce que c'est vraiment l'esprit humain qui n'est pas préparé à ça, ne peut pas résister à l'ensemble de ces outils de manipulation d'opinion, mariés bien sûr avec toutes les technologies de neuromarketing et de manipulation cognitive. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Malheureusement, j'avais un peu plus de choses, mais j'ai plus sur l'ordinateur. Oui, une chose encore pour finir. La robotisation du travail arrive à grands pas. On en a vu les prémices, on a vu Benoît Hamon qui en a parlé lors de l'élection présidentielle. Ce sera, à mon avis, et quasiment forcément, l'un des enjeux de la prochaine élection dans 5 ans.
C'est une... à mon avis, c'est une bonne raison de réveiller la classe moyenne. La classe moyenne n'a pas pris conscience du malheur de la classe populaire, du malheur qui se prépare. Et l'arrivée du remplacement de l'homme au travail par la machine, qui va se faire de plus en plus pressante, y compris sur des métiers qu'on pouvait penser réservés à une élite, va obliger à une prise de conscience. Et donc je propose aux souverainistes de droite, de gauche, du centre, de prendre ce thème pour réveiller cette classe moyenne et face à l'enjeu du bouleversement social que représentent les millions de chômeurs que la robotisation du travail va faire, le néolibéralisme, le sans-frontiérisme doit être remis en cause. Si on ne remet pas en cause cette idéologie, nous irons vers un capitalisme 2.0 où la société sera complètement clivée entre ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui s'agrippent à leur travail, et à un moment, quand on passera la barrière du 50% qui travaille, 50% qui ne travaille pas, se posera la question de, enfin, pour le camp qui contrôle le mondialisme, est-ce qu'on reste en démocratie ou est-ce qu'on passe en vraie dictature? Parce que lorsque plus de 50% des gens qui voteront n'auront plus de travail, ça posera un problème aux mondialistes.